Journal des régions présenté par Sabine Lahsen. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Adjal, bonsoir à tous. À la une de ce 21 février, réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui, des dossiers importants à l'ordre du jour comme la lutte contre les accidents de la circulation. Nous célébrons ce samedi le 53e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures d'Algérie. Est aujourd'hui au cœur de la transition énergétique. Un programme national vise l'installation de 1000 bornes de recharge électrique à l'horizon 2024. Pour l'instant, 15 stations de Naftal disposent de ces bornes électriques. Escale à Oran, dans ce journal, au Salon international du tourisme, les participants misent sur la promotion de la destination Algérie et le tourisme local. Nous parlerons également de la journée mondiale de la langue maternelle célébrée par le HCA à Mwelwaki. Madame, Monsieur, bienvenue. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'accélération du processus de numérisation dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République. Le gouvernement a étudié un exposé concernant l'état d'avancement de l'opération de numérisation des actes d'urbanisme à travers la mise en place d'un cadre légal pour l'accompagnement et le développement des outils électroniques dédiés au traitement de l'ensemble des étages et des démarches, à commencer par le dépôt des demandes d'actes et de leur préparation et de leur remise aussi. La réunion a également été consacrée à l'examen et à l'étude du rapport préliminaire sur le projet du code de la route. D'après un communiqué des services du Premier ministère, ce projet de loi vise à définir les règles régissant la circulation routière et à établir les éléments de la stratégie nationale de la sécurité routière et la lutte contre les accidents de la circulation justement sur nos routes. Un lourd bilan a été enregistré par la protection civile ces dernières 24 heures qui rappelle encore une fois de rester vigilant sur les routes. On écoute à ce propos lieutenant Nate Braham, chargé de la communication à la protection civile. Nos secours ont enregistré 139 interventions suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas du territoire national qui ont causé 3 personnes décédées et 136 autres personnes blessées. La protection civile dans la sensibilisation pour puisse convaincre les gens et les conducteurs pour respecter le code de la route et d'être vigilants et de diminuer la vitesse et de respecter les règles de sécurité en général. Des accidents qui peuvent être fatals pour les victimes. Les blessés nécessitent dans certains cas des prises en charge orthopédiques, surtout quand il s'agit d'entorses sévères, de fractures et de traumatismes des membres. Justement, en matière d'orthopédie, les jumelages se multiplient dans le secteur de la santé, comme celui de l'EPH de Guelma et le HC de Ben Aknouni s'achève ce soir avec plusieurs interventions chirurgicales réussies, nous dit Zouhair Douara. Au niveau du bloc opératoire de l'hôpital Hakim Oukbi, un staff médical composé d'environ 20 praticiens ont supervisé l'accomplissement de 30 opérations chirurgicales compliquées. Le responsable de la mission, le professeur à l'OHS de Ben Aknoun, Mustafa Yaqoubi. Le programme entre la chirurgie prothétique du genou et de la hanche et également d'autres chirurgies, notamment la chirurgie du membre supérieur, la chirurgie de la main, la chirurgie nerveuse. Cette opération de jumelage a un double but. Le premier but, c'est de venir opérer des patients, des Algériens qui ont le droit à, on les opère avec cette chirurgie moderne. Et le deuxième but, qui est très important, c'est la formation. Ce jumelage est une aubaine pour les médecins afin de se familiariser davantage avec ce genre d'opération. Les docteurs à l'EPH de Guelma, Fouad Gaidi et Samira Saidi. Cette mission va nous permettre d'acquérir plus d'expérience en matière de cette chirurgie minutieuse et spécialisée. On dispose actuellement d'un échographe et de tout le matériel concernant l'anesthésie loco-régionale pour faire la chirurgie de la main. La plupart des malades sont au point de reprendre l'activité sans avoir déboursé un centime. D'être la mêlée à la hanche, on a dit le premier pas va. كنت مريض بالمفصل مفصل الورك ما قدرش نقعد جلسة عادية واجريت العملية. A rappeler que ces actes chirurgicaux ont été exécutés selon des méthodes modernes qui sont en vigueur dans les divers hôpitaux mondiaux. De Guelma, Zouhair Douara, Alger Chaîne 3.
L'Algérie célébrera ce samedi un double anniversaire, celui de la création de la centrale syndicale et de la nationalisation des hydrocarbures. Depuis, bien des étapes ont été franchies. L'Algérie a commencé maintenant à investir dans l'hybride et l'électrique. Il existe jusqu'ici 15 stations de naphtal à travers le pays, dotées de compteurs de Sonelgaz pour fournir de l'électricité aux automobilistes. Rachid Nidal, PDG de l'autorité de régulation des hydrocarbures, était l'invité ce matin de Nahla Bekralas dans Forum. Vous savez, aujourd'hui, si vous voyez des stations au niveau de naphtal, vous avez des volucompteurs Sonelgaz qui fournissent de l'électricité. Combien sont-elles aujourd'hui justement à fournir l'électricité? Alors, disons, dans pratiquement toutes les autoroutières, il y a un volucompteur électrique. On est peut-être à une quinzaine. Il y a une quinzaine de stations qui fournissent. Puis ça va aller crescendo. Là, il y a, je pense que Sonelgaz et naphtal doivent, la station aujourd'hui, elle appartient à naphtal. L'électricité, c'est Sonelgaz. Il faut un peu réglementer tout ça. Vous avez un volucompteur qui appartient à Sonelgaz. Vous avez un volucompteur essence qui appartient à naphtal. Dans la même enceinte, maintenant, quand il y a un problème, qui est responsable? Et selon Sonelgaz, le programme national tracé pour l'année 2024 englobe l'installation de 1000 bornes de recharge au niveau de l'ensemble des stations naphtal à travers le pays. Ce samedi, c'est aussi la deuxième session de la rentrée professionnelle. À partir de Saïda Zakaria Ben nous dit tout sur le nombre de places pédagogiques et les différentes spécialités proposées aux nouveaux stagiaires. Le chargé de la communication de la direction de l'emploi et de la formation professionnelle, Kedi Mahmoud, nous parle de la rentrée professionnelle session février 2024 prévue ce samedi. Avec comme nouveauté la numérisation, une des priorités du gouvernement qui entrera en fonction dans le secteur. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel de la ville d'El Saïda a prévu les offres de formation suivantes. Pour la formation diplômante, un effectif de 1685 postes pédagogiques. Pour la formation qualifiante, un effectif de 2590 postes pédagogiques. Tout mode de formation confondu, notamment la femme au foyer, 110 postes pédagogiques, l'allocation chômage, 1455 postes pédagogiques, la formation en milieu rural, 90 postes pédagogiques, la formation en milieu carcéral, 450 postes pédagogiques. Aussi, des inscriptions pour cette session sont de 2875 inscrits à ce jour, ce qui fait un taux d'inscription de 67%, sachant que les inscriptions ont été prolongées après le 17 février 2024, suivant les instructions du ministère de la formation relative à la numérisation du secteur préconisé par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. De Saïda, Zakaria Ben pour la chaîne 3. Un rendez-vous annuel qui répond présent pour la 14e fois cette année. À Oran, le Salon international du tourisme est très apprécié dans cette région. Il met en avant l'évasion à travers le tourisme et la découverte du confort des complexes hôteliers du sud du pays. Plus précisément, je vous propose ce reportage réalisé par Mohamed Hamza Belmadani. La wilaya d'Adrar enregistre une véritable expansion dans l'activité touristique. De plus en plus de visiteurs se rendent à cette région, comme l'explique Amir Akerma, directeur de l'hôtel Touet Adrar, rencontré en marge du Salon international du tourisme, voyage, transport et équipement hôtelier qui se tient actuellement à Oran. À partir de cette année, nous avons constaté qu'il y a une nette évolution sur le plan touristique, tant sur le plan des arrivées, en nombre d'arrivées de clients, national, voire même international. Il y a énormément d'événements qui sont en train de se faire pendant la saison saharienne et on constate d'année en année une augmentation claire en nombre d'arrivées ou en chiffre d'affaires. Il y a une activité claire qui existe. Là, en tant qu'établissement hôtelier aussi, on essaye de mettre en place diverses activités touristiques et on essaie aussi de participer au développement de certains pôles touristiques dans la wilaya d'Adrar. Donc il y a 3 ou 4 régions auxquelles on essaye de travailler avec les autorités pour essayer de les mettre en avant et afin qu'elles deviennent des destinations claires touristiques. Amir Akerma a qualifié la wilaya d'Adrar d'une véritable nouvelle voté dans le secteur du tourisme dans le sud algérien. Elle dispose de beaucoup de potentiel et beaucoup d'investisseurs s'installent dans la région. Dorom Mohamed Hamza Belmadani, Alger, chaîne 3. Transport maritime, avis aux voyageurs, le NTMV annonce que les traversées sur la ligne maritime Béjaïa-Marseille reprendront du service le mois prochain. Le développement de la pêche halieutique passe par la formation. Une formation sur les bonnes pratiques dans ce métier était dispensée à près de 2000 pêcheurs. Elle sera élargie. Les explications de Moufida Lamèche, directrice de la prévention des écosystèmes au ministère de l'Environnement, au micro de Hamza Belmadani.
On a eu un programme de formation très important qui a touché 1905 pêcheurs. Aussi, on a développé un guide qui se trouve sur le site du ministère de l'Environnement. Il est aussi sur le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques. C'est le guide des bonnes pratiques environnementales pour une aquaculture marine durable. Et prochainement, on va voir comment le mettre sur le site du secteur de la pêche. Ça va être donc une formation en ligne destinée aux universitaires, aux opérateurs dans le domaine. Ça va être sur les aires protégées, pour la valorisation des produits de la pêche, pour l'accompagnement à la création de coopératives de pêcheurs. Je vous le disais en titre, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Le Haut Commissariat à la Mazirité marque cette célébration par l'organisation d'un séminaire national sur Temesirt. L'on y aborde notamment la recherche de Mulbouagui, les détails de Nasser Benissem. Dans son discours, le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité, Sid Hashmi Assad, a souligné que cette rencontre sous forme de conférence nationale vise la mise en exergue des efforts et des acquis de l'État dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la promotion de la langue et de la culture amazigh dans notre pays. Présente à cette rencontre, Madame Bilek Sherifa, sous directrice de l'enseignement et de la formation au HCA, nous a déclaré. Cette année, nous avons opté, et pour la première fois, pour la réunion de tous les acteurs dans le domaine de la recherche, de l'enseignement de Temesirt, c'est les acteurs institutionnels concernés par le développement, la promotion de Temesirt, afin de mettre en commun un petit peu tous nos efforts pour créer des espaces de communication, mais aussi de collaboration et de coordination, afin d'aller plus loin dans le travail qui concerne le développement et la promotion de Temesirt et proposer peut-être des solutions à travers les recommandations qui seront lues donc à la fin de ces travaux afin d'améliorer l'état de Temesirt, que nous avons des acquis institutionnels mais aussi des acquis dans le domaine de la recherche et de l'enseignement Temesirt. Mais bien entendu, comme Temesirt accuse un retard très très grand dans son parcours, nous comptons un peu sur les efforts de tous dans ce domaine et notamment dans le domaine de la technologie et du numérique qui va nous faire gagner du temps pour aller plus loin. De Mulbouagui, Nasser Benissem pour Al Jazeera 3. Culture toujours, on termine ce journal avec cette info qui pourrait intéresser le public de Hassan al-Bashariya. La roqueuse du désert se produira le 24 février à la salle Ibn Khaldoun à l'initiative d'art et culture. Le prix du billet d'entrée est à 200 dinars, il est en vente dès aujourd'hui à la salle d'Ibn Khaldoun. C'est à 17h, presque 13 minutes que s'achève ce journal des régions réalisé par Ali Lawissi. Merci de l'avoir suivi.